En ce dimanche après-midi, l'église de Châtenois se prépare pour devenir le cadre d'un spectacle musical né il y a quelques années. Alors ce spectacle est né en 2011, en tout cas l'idée est née en 2011, à l'époque où j'étais à Brumath et je m'occupais de la pastorale des jeunes à l'église de Brumath, en association avec le pasteur de Brumath qui lui s'occupait de son côté de la pastorale des jeunes de Brumath. On a eu l'idée de faire un spectacle commun sur la passion du Christ. Et pendant ce spectacle, j'avais donc écrit trois des chansons qu'on retrouvera ce soir dans le spectacle. Et lorsque j'étais en poste à l'Ermitage du Düsenbar, j'ai écrit le reste du spectacle et il a été donné pour la première fois en 2013. Ce spectacle musical qui tourne chaque année en Alsace se fait en partenariat avec les communautés paroissiales. J'ai eu la chance, moi, d'accueillir ce spectacle il y a quelques années à la paroisse de la Méno, dont j'ai été le curé. Et j'ai vraiment été saisi par ce spectacle. Nous l'avons redonné aussi pour les catéchumènes l'an passé, au moment de leur appel décisif. Et je vois à quel point ça a marqué les cœurs d'entrer dans ce spectacle. Donc j'étais très heureux de pouvoir l'accueillir cette année ici à Châtenois. Aventure musicale, ce spectacle est également une aventure humaine et spirituelle pour la petite troupe qui l'anime. Alors moi je suis la narratrice de ce spectacle, j'ai l'honneur d'être la narratrice de ce spectacle parce qu'en fait ce qui était étrange au départ c'est que logiquement le narrateur c'est Jésus qui parle et je me suis dit mais pourquoi pas Jésus n'aurait pas le visage d'une femme. Et là, au bord du lac, j'ai appelé Jacques et Simon, que je nommerai Céphas, ce qui veut dire Pierre. Eh bien, un jour, Fabrice m'a appelé et il m'a dit « Écoute, j'ai un petit projet, et voilà, si ça t'intéresse. Voilà. » Donc j'ai été tout de suite partante hein, parce que je trouvais ce projet très intéressant. Et puis comme j'avais déjà fait 10 ans de gospel avant et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit, voilà, j'ai tout de suite plongé dans ce projet. Que veux-tu de moi, femme ? Mon heure n'est pas venue. Si ce spectacle s'inspire de la Bible, c'est aussi une lecture personnelle qui laisse apparaître la sensibilité de son auteur. Pour l'écriture, j'ai repris la lecture des 4 évangiles, donc je ne peux pas dire que je me sois inspiré particulièrement d'un évangile ou d'un autre. Je me suis inspiré des 4 évangiles et à chaque fois que je retenais un épisode d'un évangile, j'essayais de me l'approprier et de voir ce qu'il me racontait. Et les chansons ne traduisent pas ce qui est marqué dans les évangiles, mais traduisent souvent une émotion de ce que j'ai ressenti en lisant ce passage. Et j'ai essayé de me mettre à la place de chaque personnage évoqué, que ce soit au niveau de Jean-Baptiste, que ce soit au niveau de Jésus aussi, bien sûr, que ce soit au niveau des enfants qui rencontrent le Christ, que ce soit au niveau de Judas lorsqu'il est au pied de l'olivier, même le centurion au pied de la croix, avec la chanson « Vraiment cet homme-là » d'où est extraite le titre du spectacle. Le temps s'est arrêté, suspendu à la croix, et dans ce long silence, un seul cri douloureux. Vraiment cet homme-là, à la croisée de plusieurs genres musicaux, comment classer ce spectacle qui mêle chant et images? C'est pas un spectacle comme les autres. C'est quelque chose vraiment d'unique, je pense, qui ne se fait pas partout. Moi qui suis dans plutôt des choses plus classiques, je dirais, dans les chansons pop, rock, blues, jazz. Effectivement, d'avoir ce côté plus spirituel, plus posé, voilà, ça change. Et puis, le projet, je dirais, est quand même
très unique, dans le sens où c'est vraiment un conte musical, en fait, avec une petite veillée. Et c'est vrai qu'il y a quand même une atmosphère très particulière, donc qu'on ne retrouve pas ailleurs. Quand vous priez le Père, levez-vous. Paroles et musique sont ici au service d'un message particulier que Fabrice Werner revendique au nom de son engagement chrétien. Alors c'est une forme de témoignage surtout, de témoignage de la vie que je peux mener en tant que diacre au service de ma foi. Dieu m'a donné un talent, celui de pouvoir chanter, de pouvoir écrire de la musique, de pouvoir écrire des textes. Ce talent, je le mets au service de ma foi et pour transmettre ce message d'amour. Voilà, je pense que ça fait partie pleinement de ma mission de diacre. Jésus, tu es le feu, Jésus, tu es mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce spectacle ne parle pas seulement du passé, mais résonne avec l'actualité. Je me rends compte que Fabrice a écrit des textes qui collent tout à fait à ce qui peut se passer dans le monde. Et on a des retours, les gens sont étonnés. De la qualité musicale et de la qualité des textes également. Je pense qu'ils sont sensibles, oui, ils sont sensibles à ça. Quel est donc ce prodige ? Ils sont galiléens. Et là, ils prophétisent et je les comprends bien. Ton amour est grand, Seigneur. En toi, le vrai bonheur, que ta volonté, ta gloire, te fasse à travers. Ce qui est touchant, c'est vraiment, c'est l'actualité. C'est pas quelque chose, c'est pas Dieu il y a 2000 ans, voilà, c'est vraiment Dieu dans notre histoire, Dieu parmi nous, et je crois que c'est ce qui doit un petit peu nous interpeller, hein. C'est pas une vieille histoire, c'est quelque chose qui doit toucher, et c'est ce qui nous a fait du bien aussi de se rendre un petit peu compte. Je trouvais que c'était vraiment un peu secouant, quoi. Si vous n'avez pas encore vu ce spectacle, rendez-vous l'année prochaine entre Carême et Pentecôte dans une des paroisses d'Alsace. C'est Jésus.